Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de SkyTroy. Bonjour à tous. Bienvenue. Donc, bonjour Florian. Donc, nous nous retrouvons pour ce troisième et dernier multiplex, qui est un multiplex à 4 entre Dijon, Stade Brestois, Lille, Nantes, Angers, Toulouse et Metz, Stade Rennais. Ça va être un très très gros multiplex parce que déjà il y a un match de plus. Et Plus d'action. Donc plus d'action justement, c'est ce que j'allais dire. Et voilà, plus d'action. Et donc la composition de Metz avec moi je trouverai en bon joueur Emmanuel Rivière, qui est en pointe, comme vous voyez là, sur une formation de 4-4-1. 4-5-1. 4-4-1-1. Soleil. En vrai, vous connaissez les compos au foot ou Bah, on n'est pas foot, on est volleyeur. Et c'est. Reprends. Je les connais. Ouais, bah, toi, tu suis plus au foot que nous, mais tu vas foutre. Et vous commentez un match de foot en disant ça. Bon, allez, Stade Rennais. Allez, Stade Rennais. Oh, et la première action. Oh, et après, tirer. Ah bah ça commence déjà très bien, troisième minute de jeu. Ah là 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 là. Troisième minute de jeu. Et donc voilà, comme je vous le disais, les 4 matchs. Et ce but, premier but. Et bah, ça commence entre Lille et Nantes. 1 à 0 pour Nantes. Et aussi un but en balle, on voit. Mais Dijon. C'est multiplex. Stade Brestois. Ouh là 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 là. 1-0 pour Dijon. 1-0 pour Nantes. Ouh là 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 là. Et bah ça bouge déjà énormément. Très très beau but en bas. Le but en haut, il est vraiment. Aussi. Ouh là 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 là, il y a du niveau. C'est un peu le but de Götze en finale de Coupe du Monde 2014. Un petit peu. Sauf que Götze lui, il a fait contrôle du torse, puis ensuite il a tiré. Si on part du fait que le ballon rentre dans le but, ben c'est un peu. Dijon, Stade, Brestois. Brest, ils sont en 2. Merci Mathieu. Dijon, donc maintenant on va s'intéresser au match entre Dijon et le Stade Brestois. Reste-toi. Excusez-moi, on est en soirée. Il est 20h et quelques. J'ai pas dormi la nuit dernière. Il est 20h et 50 minutes. Chez nous en tout cas. C'est en soirée qui a pas. Oh, Tommy, 3h, 3h. Dommage. Ah. Vous le voyez claquer là. Faudrait faire un petit zoom sur lui. Enfin, vous le voyez ou pas. Là, alors, vous le voyez. Qu'est-ce qui se passe? Donc. En bas à droite, tentative. Oh, le deuxième tir. Deuxième tentative de Nantes contre Lille. On en parle du parcours de Nantes. Très bon parcours en Ligue 1, mais en Coupe de la Ligue aussi. Franchement, je les vois favoris. Peut-être pas pour les demi-finales, mais au moins pour les matchs et les quarts de finale. Oui. Les quarts. Oui. Non, c'est les huitièmes après. Et les huitièmes. Ouais. Ils iront au moins jusqu'en quart. Ouais, je vois bien le FC Nantes jusqu'en quart. Déjà. Le parcours qu'ils font en Ligue 1 est plutôt satisfaisant. Je suis d'accord avec toi. Et contrairement aux Lillois qui, eux, là, c'est vraiment en dessous de ce qu'on a. Et donc, Lillois est 19e en Ligue 1. Bon, pour descendre en Ligue 2, s'ils continuent comme ça. Il y a des tentatives, où est-ce que ça se passe? L'écran en bas à droite. Tiens, un truc. Et but! Non, c'était ça, pas loin. Pas loin du but, mais corner. En parlant de bas de classement en Ligue 1, on a aussi le FC Metz qui occupe la 20e place avec seulement 22 points. Qui joue contre Rennes. Oui. Le Stade Rennais, oui. Qui... Ah, le Stade Rennais, cette saison. Ils ont fait une saison plutôt moyenne au début, mais ils ont fait une fin de saison à tout casser, on va dire. Déjà, dès que t'enlèves Yann Gourcuff, le Stade Rennais, ça ferme. Ah ouais? Ah ouais, non, mais Yann Gourcuff. Et comment? Oh, le but! Mais quel but! Bah, tiens, but de Yann Gourcuff, il suffit que je dise que Yann Gourcuff il est nul et puis c'est nul. Ouais, bah ouais, apparemment, ouais. On a un problème sur un match. Sur un des matchs, j'ai pas pu vous dire lequel. Dijon. Un coup franc très très intéressant pour Dijon. Est-ce que ça va être une tentative? Vas-y, la montre. Ah, et donc, mi-temps entre Toulouse et Angers, 1-0 pour Toulouse. La tentative. C'était tendu. On peut observer le but. Et là, le but, ouais. Et donc maintenant, on va s'intéresser au match entre Brest et Stade Brestois. Dijon et Stade. Oui, pardon. Excusez-moi. On est vraiment claqué. Ah, on voit que notre correspondant quitte l'antenne.
et revient aussitôt. Oh, il a failli tomber. Attention, attention. Ça se verra pas de toute façon parce que on peut pas vous montrer nos têtes pendant un match. Au cas où vous aurez pas pour ceux qui n'ont pas vraiment compris, on montre seulement nos têtes au moment où les écrans sont partagés. Oui. Oui, d'accord. Pas loin de cette affiche, Dijon-Brest, je sais pas, ça me parle pas trop. Ouais, c'est quelque peu. C'est pas nul, hein, mais. Bah, c'est pas très. De ce multiplex, pour moi, c'est pas le match le plus intéressant. Ouais. Bah, tiens, les matchs qui. Là, Toulouse, ça reprend entre Toulouse et Angers. Le match que je vais suivre, ça va être. Ah non, il se passe des choses entre Nantes. Oh le deuxième but de Nantes. Un enchaînement parfait. Ouh là 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 là. Mais c'est quel Nantes. Je pense que Nantes peut aller en quart de finale ici. Ils iront en quart de finale. Avec le stade Brestois. Pas Stade Brestois, le stade Rennais. Magnifique. Moi je veux bien 3-0. Ouais. Il se passe un truc aussi du côté de Dijon, c'est la mi-temps entre Lille et Nantes. Oh non, ça a été très très bien défendu. Et en bas entre Angers et Toulouse, là on voit que le match, l'écran est resté là depuis tout à l'heure. Oh mais non mais. Oh là, deuxième but de Dijon. Le deuxième but de Dijon, exceptionnel. Et oui, but entre Dijon et Stade Brestois. C'est une affiche qui n'est pas si mauvaise que ça. Oh là, ils s'en passent des trucs là. On n'a pas le temps de se faire chier. Et là, c'est peut-être une tentative. Et là, limite, c'est les mi-temps entre les deux derniers matchs où il n'y a pas eu encore mi-temps. Metz, Rennes et Dijon Stade Brestois, je crois. Oui, c'est ça. Une de mes affiches favorites de ce multiplex, juste après Rennes-Metz, c'est vraiment ce match de Nantes contre Lille. Oh, Lille qui a une occasion. Ça aurait pu. Mais je vois bien une large victoire de Nantes. Ouais, moi aussi. Je viserais vers un 4-0. Et pour l'instant, on. Il y a une réaction lilloise. Il faut que ça tienne jusqu'à la fin, on ne sait jamais. Hein. Un peu d'orgueil comme Strasbourg contre Montpellier. Mais ah, 2 à ce match. Ça va être la remontada là. Ouais, une grosse remontada du coup. Oh, une grosse remontada. Il n'y a que 2-0. C'est pas faux. Bon, et bien pendant ce temps, l'équipe de Nantes qui conserve le ballon, qui cherche pas trop. Il sait plus à eux de faire le jeu, ils gagnent 2-0, nous sommes en deuxième mi-temps. Ils contrôlent, ils se reposent quoi. Si par exemple. Il se passe des trucs ou. Là du côté en haut à droite, Angers contre Toulouse, il y a une petite tentative. Et là tous les matchs, ça y est, tous les matchs reprennent. Et donc maintenant. Voilà mon affiche préférée là. Metz, Stade Rennais. Ah oui. Je vois ça de toute façon, il mène 1-0. Et là, je crois que c'est Metz qui a une petite opportunité. Un tir très mal tiré, vraiment, vraiment trop excentré. Ça a été donné, hein. Oui. Ça a été facilement donné. Mais le Stade Rennais qui fait quand même aussi quelques petites erreurs. Ah oui. Par contre, là, c'est un beau geste technique. Oh, beau. Il a fait un passement. Hein. Ah, oula, et là, c'est une tentative. Ils sont plus. Lucarne de Metz. Oh, Lucarne 20ème. Ligue 1 partout. Non, oh là là. De toute façon, il n'est pas en jeu du tout. Ils étaient 3, facile. 4. Il est parti tout seul. Magnifique. L'équipe du FC Metz qui sait, qui réalise le but, qui sait interpréter ses. C'est finir ses buts. Oh là, on a un petit bug là justement du côté de Nantes contre Rennes. Metz, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est justement Dijon Stade. Non. Là, on est. Rennes-Metz. Rennes-Metz. C'était Rennes-Metz. Sur Dijon Stade Brest. Oui. C'est une tentative. Oh oui. 3-0. Magnifique. Facile. 3-0 pour Dijon qui montre sa supériorité. Oui, Dijon, ils sont en Ligue 1, oui. Et le monde. Ils sont bien classés dans le milieu du classement, je crois. Même facile. 3-0 contre le Stade Brest. Ah, ouais. Et donc, du coup, on me dit que. Metz, Rennes, oui, on a un peu perdu le signal là. Pour l'instant, les équipes de Ligue 1. Nantes, il y a une occasion. Nantes, le 3-0 pour Nantes. Mais ça s'enchaîne. Ah, incident technique, vient de me faire un claquage. Ah la vache.
On vient de perdre notre commentateur officiel. Deuxième claquage. C'est trop et pas mal. Aïe aïe aïe. Doublé de Rongier et un but de Salah côté FC Nantes, 3-0 pour Nantes. Oh, bah alors là c'est sûr, ils peuvent se qualifier, on est à un quart d'heure avant la fin du match. C'est vrai. Nantes a le match en main. C'était même plus à eux de faire le jeu, ils ont un peu baissé le rythme. Mais les Nantais savent conclure dans les occasions. Ils ont envie de continuer, hein. Bon, là je crois que c'est bien parti pour le 4-0. Hein. Et là pendant ce temps, on est à la fin du match entre Metz et Stade Rennais, on ne peut pas voir les résultats car on vous dit le problème des signaux. Et donc il y a eu une tentative entre Angers et Toulouse, on n'a pas pu la voir. Franchement ce match, je trouve, c'est la grosse surprise de ce Multi 2. On avait deux équipes assez proches, malgré qu'elles soient dans une division d'écart. Mais c'était quand même assez proche et je m'attendais à un match. Tiens. Un 0 pour Dijon. Là on a pas du tout. On a un 3-0 pour Dijon. Je m'attendais à ce que les deux équipes se neutralisent. Il reste un quart d'heure de jeu. C'est vrai, c'est pas mal. Oula, il est parti là. Oula, il est parti. Hein. Il est chaud. Le Dijonais qui Ah, ça a été contré. Oui. C'est bien que ça se termine. Trop chaud. Pour l'instant, ça c'est un multiplex plutôt intéressant. On a eu quand même beaucoup de buts. Ah bah oui, bah en même temps, un multiplex à 4 matchs. 3-0 pour Nantes, 3-0 pour Dijon, 1 partout entre Rennes et Metz, et 1-0 pour Toulouse. Ouais, ça doit être ça là. Oh là là, attention. Oh là, il est parti, il est parti. C'est temporise, temporise. Oh, il attend, c'est quoi qui tire. Ah, ça a été défendu. C'est la meilleure solution qu'il a. 81 minutes, petit changement de joueur. Il va terminer le 4-0. Va-t-il y arriver? Non, ça a été facilement arrêté par le gardien. C'est la fin du match aussi. Entre Nantes et. Et Lille. Donc, du coup, ça reste un 3-0 entre Nantes et Nîmes. Oui. Oh, petite football. On avait dit 4-0, mais 3-0, c'est quand même. C'est aussi très très bien. On est sûr qu'ils sont qualifiés. Et là, coup franc pour le T. Non, pour. Pour Angers. Pour le SCO d'Angers. On est à 90 minutes plus 3 de la fin du. Ce n'est pas un coup franc très intéressant. On voit bien qu'il y a plus de Toulousains que de. Ouais, le TFC qui est très très défensif là. Ouais. Et les Angers qui eux ne sont pas si offensifs. Et ils sont partis là. Non, c'est la fin du match 1-0 pour le TFC. Sur ce dernier coup franc, j'aurais même pu mettre le gardien. Ouais, pas besoin. On voit qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Et on termine. Ça va. Le match va se terminer. Oui. Entre Dijon et le Stade Brestois, on est à 90 plus 2. Et c'est la fini. Fin. Non, il y a une main. Il y a une main. Et là, ça doit être. Voilà, ils ont fait une fausse alerte. Ah, ça va être la fin du match de toute façon. Oui. On va pas s'attendre à une remontada tout de suite. Et voilà. C'est la fin du match. 3-0 pour le Stade Brestois. Bon, un multiplex plutôt mouvementé. En même temps, c'est un multiplex à 4 matchs. Le premier multiplex à 4 matchs. Et bien là, comme vous êtes en train de nous voir, on peut parler un petit peu, car on a un peu de temps. Mais pas trop de temps non plus. Oui. Non, donc là, vous voyez Amiens, Saint-Etienne, Orléans, Caen, Bourg-en-Bresse, Strasbourg, Dijon. Strasbourg. Dijon. Nantes, Toulouse et Metz sont qualifiés donc pour les huitièmes de finale où ils auront peut-être l'opportunité ou la malchance d'affronter des équipes, des grosses équipes de Ligue 1 de type Marseille, PSG, Monaco, Lyon. Ça peut être très intéressant, ces huitièmes de finale, elles ne montreront pas. Si il y a des équipes comme Bourg-en-Bresse, Orléans qui nous ont fait la surprise, pourquoi pas contre le PSG, Monaco, ça veut rien dire. On verra bien. En tout cas, donc, on se retrouve dans un petit peu plus tard pour les tirages au sort des huitièmes de finale. Pour ensuite, après les tirages au sort, se retrouveront les multiplex des huitièmes où ce sera deux multiplex de quatre matchs directement. Et là, je vous dis, ça va être énorme. Sur ce, on se retrouve plus tard. Prochaine. On ne sait pas trop quand, mais ça va bientôt arriver. Florian. Bah moi j'ai rien à rajouter, passez tous une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Ou une bonne nuit si vous regardez la vidéo à minuit. Une bonne matinée si vous la regardez le matin. Sky Troy. Je vous dis